Salut à tous, c'est Arsène. Aujourd'hui, nouveau challenge en draft, les gars. Je compte sur vous. Le petit pouce bleu et abonne-toi, c'est pas déjà fait. On se retrouve, les gars, pour un challenge assez compliqué. Je parle au niveau de la draft. On verra uniquement les pays pendant les choix de la draft. À tout moment, les gars, il y aura Valère Germain et Mbappé. Je prendrai Valère Germain sans le savoir. On ne verra uniquement que les pays. On est parti, les gars. 300 points FIFA. Et je compte sur vous vraiment pour vous abonner, les gars, pour qu'on se rapproche des 700 000 abonnés. Je compte sur vous parce que je vois qu'il y en a plein qui sont pas abonnés, les gars. Ça ferait plaisir, ça coûte rien. Allez, 4-4 de resserré et je mets directement, regardez, hop, le petit système pour cacher les drapeaux. Donc là, je ne vais rien voir, je ne vois uniquement que les drapeaux. Donc là, le capitaine, moi-même, je ne sais pas qui est-ce que je vais prendre. Alors, allemand, anglais, bosniaque, ça doit être Zeko, ça, ou Pjanic, français ou autrichien. Perso, les gars, je pense que je vais assurer et partir sur le capitaine français. Je ne sais même pas c'est quel type de carte pour vous dire, on ne voit rien. Ça se trouve, c'est un Totti, ça se trouve, c'est un Toss, ça se trouve, c'est une carte argent. On verra bien. Allez, on découvre ça ensemble, les gars. Je prendrai le joueur français. C'est Dembélé 83. La pire carte pour commencer. Ça commence mal. Ensuite, le BU. Allez, là, je crois qu'il y a des cartes sympathiques normalement en BU. Est-ce que je repars sur un joueur français? Là, on le sait très bien. Là, je sens le Lewandowski et là, je sens le Haaland. BU français. Mbappé, non? BU français, Mbappé. Je pars sur un Mbappé, les gars. Mbappé qui tombe. Oula, Haaland, il n'était pas du tout là, les gars. On prend Mbappé avec Dembélé. Ça commence bien. Le deuxième BU maintenant, les gars. Encore un français. Deux français. Ouh, le choix compliqué. Le choix compliqué. Ça se trouve, c'est une icône. Hein. Ça se trouve, c'est une icône, les gars. Peut avoir du Thierry Henry. Peut avoir du Benzema. Je sens qu'il y a un Benzema entre les deux. Pourquoi pas un Ben Yedder Tots également? Allez, les gars, je prends le quatrième français juste ici. Ben Yedder Tots! Oh là 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 là, imaginez, j'avais vu Serou Girassi, les gars. Oh, j'aurais été dégoûté. J'aurais été dégoûté. Ben Yedder Tots qui arrive dans le club. Let's go, ça commence trop trop bien, les gars. Je suis trop content. On enchaîne maintenant le milieu gauche. Bon, je vais peut-être pas prendre que des Français non plus. Mais c'est sûr que ça fait des liens. Au moins, les gars, on est dans le doute. C'est pas mal. J'aime beaucoup ce petit challenge de ne voir uniquement que les pays. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres challenges comme ça. On pourra se le faire uniquement que avec les notes, que avec le club, que également peut-être avec la vitesse, avec les tirs. Voilà, je compte sur vous dans les commentaires, les gars. Je passe sur celui-là, les gars, le troisième. On est parti. Je prendrai le troisième, le deuxième français. Et c'est Ginola 89. J'ai trop de chance. J'ai trop de chance, la vérité, les gars. J'ai trop de chance. Allez, encore un français. Encore un français. Cette fois-ci, je prends le premier. Le premier français qui sera avec nous. Tchouaméni 94. Oh là 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 là. On part sur une draft 100% française. Exceptionnel, les gars. Sinon, j'aurais eu Ndombele. Ça va en vrai, mais je fais tellement les bons choix, mais j'ai une chance de dingue. On enchaîne. Est-ce qu'il y aura un français? Pas de français cette fois-ci. Je pense que je vais partir pour l'espagnol. Je sens bien un petit Pedri ou un truc comme ça, les gars. On regarde ce que c'est. Et du Exposito 76. Alors, défenseur gauche. On aura encore un français. Deux français. Allez, je pars sur le dernier. Là, c'est Robertson, c'est sûr. Ah, quoique, non, il y en a deux. Il y a qui en défenseur gauche? Écossais à part Robertson. Ça va être un Tots en anglais, c'est sûr. Là, je pense qu'il y a un Tots plus Robertson plus défenseur gauche espagnol. Je dirais Alex Moreno. Je dirais Alex Moreno. Un Tots. Et je vais essayer de la deviner 100%, les gars. Alex Moreno, Robertson, Ferland Mendy, un Tots écossais et Lucas Digne. On regarde ensemble. Oh, il y avait un petit truc. Ah ouais, Tierney, j'ai oublié. Bon, Lucas Digne, j'ai trouvé. Mais je suis bête, j'ai pas choisi de joueur. J'ai pas choisi de joueur, je suis trop bête. Bon, je prends Lucas Digne, le pire joueur. Défense centrale. Allez, est-ce qu'il y aura encore du français? Pas de français cette fois-ci, les gars. J'ai envie de partir sur l'Allemagne. Je sais pas pourquoi je le sens bien, le défenseur central allemand ici. Allez, je pars là-dessus, les gars. Et ça va être Ginter 84. Avec lui, deuxième décès. Un français, ce serait bien. Trois français. Je vais partir au milieu. Ouais, je le sens bien. Le joueur du milieu, ce sera Kimpembe 87. Bon, les trois, c'était bien. En vrai, les trois, les gars, c'est exactement la même. Ensuite, défenseur droit. Donc, j'ai un côté un peu allemand. Défenseur droit, mais je crois que je vais partir sur une foule française, les gars. Tant pis si je vois pas le drapeau. Là, on a trois anglais, un marocain. Je pense que c'est Achraf Hakimi. Ça se trouve, c'est la version... Oh, ça se trouve, c'est la version Hakimi Totti ou Tots. Allez, les gars, je prends le risque. Je prends le risque. Je pars sur un Hakimi. J'espère que ce sera lui. On découvre ça ensemble. C'est Mazraoui. Oh là là, j'aurais dû prendre Klaus. Mazraoui en défenseur droit, les gars. Il va pas rentrer. On enchaîne sur les gardiens. J'adore ce challenge, vraiment, les gars. J'espère vous kiffer. N'hésitez pas, bien sûr, à liker si c'est pas déjà fait. Le gardien, là, c'est assez compliqué. Je vais partir sur un gardien allemand, je pense. Au milieu, je sais pas c'est qui. Et on découvre ça ensemble. Nubel 81. Oui, il joue en Ligue 1. Oh, la chance que j'ai. Il y avait également Benitez. Du coup, ça fait un petit lien avec Kimpembe et avec Ginter. Bon, pour l'instant, 88 de notes, les gars. Elle part super bien. Ah, j'ai pas eu de chance pour Mazraoui, mais j'ai eu beaucoup de chance pour les premières cartes. Du coup, on est pas mal. On enchaîne remplaçant réserviste.
Allez, premier remplaçant, le gardien du coup ici. Ou le Keylor Navas, là c'est 100% lui. Là les gars, c'est 100% Keylor Navas. La question ne se pose même pas, on va regarder ça ensemble, mais ouais, c'est sûr. Voilà, Keylor Navas qui arrive dans le club, on le prend. On continue les gars, Portugal, Suède, la championne Zlatan. Et ici, pourquoi pas le petit français, j'ai beaucoup de joueurs français, je vais tenter le joueur français, j'espère pas me tromper. Mukiele, défenseur droit, mais c'est trop bien, trop bien les gars. Mukiele à droite, regardez bien, je le mets ici, petit lien allemand en plus. Je pars sur une foule française, pour l'instant, il me faut un joueur pour remplacer mon joueur espagnol milieu de terrain. Franchement, je prends un max de français, alors là, ça se trouve, imaginez, j'ai un Neymar. Imaginez, j'ai un Neymar et je pourrais le choc. Est-ce que je tente le Brésil? Il y a un joueur français ici. Allez, je tente le Brésil, les gars. Je tente le Brésil, on prend pas le français. Marquinhos! Pop, 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 pop! Ce bête de choix que je viens de faire encore une fois, les gars. Marquinhos, je sais pas pourquoi je pensais à Neymar dans ma tête. Marquinhos qui arrive ici. On continue. Alors là, Macédoine, je sais pas c'est qui. Imaginez, c'est un Samuel Eto'o, ça. Imaginez un petit Eto'o icône, là. Ce serait pas mal, j'avoue. Brésil ou France? Allez, j'ai envie de tenter le Brésil encore une fois, les gars. Je prends un risque une fois de plus. Brésil au milieu de terrain. Oui, Fred. Fred au milieu de terrain, les gars. Blast, ce serait passé aussi, mais bon, c'est pas dingue. Allez. Brésil. Ouh, le petit Salah qui arrive ici, les gars. Égyptien, que lui. Ouais, voilà, c'est sûr. Je pars sur l'Egypte, 100%, les gars. Même en super sub, ça pourra me mettre bien. J'espère ne pas rater un crack brésilien, le deuxième, là. Oh non. Oh non. Oh non, les gars, j'espère ne pas rater un crack brésilien. On va rater Neymar 96 en ailier gauche. Regardez comment il serait bien rentré. J'ai le cœur meurtri après cette perte de Da Silva Santos Junior Neymar. Il nous reste 3-4 simplement. Allez, là, faut pas se rater. On va prendre le joueur allemand, je pense. Là, je sens bien le Bailey. Bailey, Sterling et allemand. Allez, je vais partir sur un Werner. Pas du tout. Oh là là, Messi Totti. Messi Tos, les gars, je suis dégoûté. Il me fallait un joueur à droite. Il serait trop bien rentré. Il reste 2 cartes. Allez, Brésil cette fois-ci. Non, Suarez. Et dernière carte pour terminer peut-être en beauté. Bon, je pense pas. Allez, je vais assurer qu'un Français. C'est parti, les gars. Bon, dans tous les cas, c'était pas ouf. Yann Bodiger pour terminer. Allez, je peux rallumer mon écran, les gars, et redécouvrir un petit peu la draft avec vous. Bon, on a 11 joueurs de France, 9 joueurs de Ligue 1 Uber Eats, 4 joueurs du Paris Saint-Germain. Franchement, on s'en sort plutôt bien. J'aurais espéré avoir un petit Neymar. Malheureusement, j'ai raté Neymar et Messi Tot, les gars. Après, j'ai quand même une belle équipe avec Ben Yedder, Tchouameni, Ginola, Mbappé. Je pense qu'il y a de quoi la gagner. On est parti, premier adversaire, Mbappé Tot, Pelé 99, Tchouameni également. Une équipe de fou furieux en face. Mbappé en profondeur. Des plus rapides. Kylian, la petite passe là-haut. Elle est parfaite pour Dembélé, le capitaine qui marque, les gars, 1-0 avec Dembélé. Un parti, les gars, d'Mbappé Tot. Mbappé encore. Oh là 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 là, les gars, il est inarrêtable son Mbappé. On perd 2-1. C'est pas grave, on va se concentrer. On sort les lunettes direct, les gars. Remontada. Mbappé. Croqueta. Virgule. Dépassé. Solution. Et on termine. C'est magnifique. Dembélé encore une fois, les gars, de partout. Allez, Ben Yedder. T'as pas trop vu. Crochet. Crochet. Frappe croisée. Magnifique. Oui, Sam Ben Yedder Tos, les gars, pour le 3-2. Il est trop fort, Ben Yedder. Arc-en-ciel. Finition. Oh, il est trop fort. Oui, Sam Ben Yedder, c'est bon les gars, on peut enlever les lunettes. 4-2, la remontada, mon pote. Il est tellement fort, Ben Yedder, incroyable. Dembélé, juste avant la mi-temps. Arc-en-ciel également, finition. Oh, c'est bon, on arrête, je pense qu'on arrête. Je pense qu'il va quitter les gars. Arc-en-ciel de Ousmane Dembélé pour son triplé. Je vous l'avais annoncé les gars, le rush kit de l'adversaire à la mi-temps, c'était sûr. En même temps, tu prends 2 arc-en-ciel, tu prends une petite remontada, pourtant il jouait bien. Mais on était chaud avec les lunettes. On enchaîne, deuxième tour en face, il y aura du Gendouzi et du Mbappé 93 également. C'était moins ouf que l'équipe juste avant, mais ça veut rien dire. Ginola sur le côté. Ginola, virgule. Ginola qui récupère. Arc-en-ciel. Crochet, finition. Allez, tire. Le but de Ben Yedder pour commencer les gars. C'est dégueulasse, mais on prend. Bon, on s'amuse. Crochet. Ah, il a craqué en face, les gars. But de Ben Yedder, je sens qu'il va racheter très rapidement lui aussi. Allez, Benetti. 5-2-2-0 les gars, on enchaîne. Troisième tour maintenant. La demi-finale, on jouera du CR7, version régulière, du Laurent Blanc. C'est pas une équipe de dingue non plus. Je pense qu'on est favori. Allez, Ben Yedder pour commencer. Enroulé. Ginola, enroulé. Ouh, on commence bien les gars. Troisième minute de jeu simplement. Petit but enroulé de Ginola. Ça part bien. Profondeur. Kylian Mbappé, quelle passe incroyable de Ben Yedder. Faute. Ouais, penalty les gars.
pour Kylian Mbappé, carton jaune, c'est gentil. La PNCA, il s'y attend. La PNCA, il s'y attend, les gars, je pense que je vais faire un autre truc. Quoique, il s'y attend peut-être pas. Oh, allez, je vais la tenter quand même. La PNCA avec Wissam Ben Yedder, c'est parti. Mais oui, c'est rentré, les gars. PNCA 2-0 Ben Yedder. La pause demandée, non, pas encore un rush kit, pas encore. Encore un rush kit, les gars. Même pas 10 minutes de jeu en demi-finale. Et le rush kit, c'est une draft 100% rush kit pour l'instant. Express. Et l'adversaire en finale, Ben Yedder Toss, Tchouaméni également. Très belle équipe avec Joao Cancelo version Totti. Il y a du Todibo également version Tots, version française. Allez les gars, c'est parti. On a assuré pour l'instant. Il faut terminer en beauté. Allez Keylor. Oh non. Oh le but dégueu pour commencer les gars. On perd 1-0, but de Coman. Bon, on aura une deuxième mi-temps sur ce match normalement. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant. Dembélé. Allez, termine. Oui, Dembélé, le poteau rentrant, le capitaine, les gars, ça avait pas tiré. J'avais tiré, ça avait pas tiré. En retrait. En passe. Tchouaméni. Track back. Pied gauche. Aurélien Tchouaméni. Pour le 2-1, on reprend l'avantage. Ah, ça fait plaisir. La passe de Salah, parfaite. Mbappé, la petite passe ici. Et on termine avec Ginola pour le 3-1. C'est mon adversaire. Et KO. Ça fait plaisir. Petite passe fantasme de Mbappé. Ça passera pas, les gars. On termine cette finale sur une victoire 3-1. Ah, je suis trop content parce que la draft était magnifique du début jusqu'à la fin. Si on avait eu Neymar Tots, Messi Tots, les gars, si je m'étais pas trompé, ça aurait été exceptionnel. 5-2, 2-0, 2-0 et 3-1. Pas de rush kit sur le dernier match, malheureusement. Au niveau des packs, on aura donc un pack joueur rare et un pack or. On s'ouvre ensemble. On est parti, on commence par le petit pack or. Juste avant d'ouvrir le pack joueur rare, les gars, j'espère avoir du lourd. Bon, dans ce pack-là, en général, les gars, on est sûr qu'on a rien. Ukrainien, buteur, et on aura Yaremchuk pour commencer. Le bon petit pack éclaté comme d'habitude, 1300 crédits. Et maintenant, tout se joue ici. Pack joueur rare, un pack à 50k les gars. Que des joueurs, tout sort rare, vous connaissez déjà de toute façon. Allez, une belle animation s'il vous plaît. Un petit os, pourquoi pas également. Non, animation plus de 83, c'est déjà ça. Buteur espagnol. Yago Aspas 84. C'est pas fou les gars, je suis même pas sûr qu'on rembourse la draft pour vous dire. Qu'est-ce qu'on a derrière? 2,83, 3000 crédits. Ouais bon, je pense qu'on... on rembourse pile poil la draft. Et encore, c'est pas sûr. Voilà les gars, fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à liker, partager, commenter. Et surtout, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Objectif les gars, 700 000 abonnés. Et après, on ira chercher le million. On se retrouve très prochainement. Ciao.